Bah, l'équipe. Comment Kalamongo? Kalamongo vous salue. Yeah. Et tu vois, pour le moment, il y a Aplaka debout. Aplaka li. Aplaka debout. Vous êtes jaloux de mon aplaka. À placa de bouffe. Allez, je mets une bonne chanson. À placa debout, debout de la reine. On décherche, vous savez que des fois la télécommande, tu fais n'importe comment, ça ne donne pas bien. C'est même que ça. Recevez le kérosène, ma pétrie, ma sœur, la vie. Équilibre. Et ma bouquet prod. La vie n'est pas compliquée, c'est pas compliqué. Tu n'as rien cherché, en tout cas tu vas pas trouver. Tous ceux qui ont gagné sont des gens qui ont gagné. Toi, tu n'as rien gagné, c'est toi qui veux récolter. Pour mon saïd de 45 ans, commandant pour la silence. Toujours, toujours, en train de parler mal des autres. Toujours, toujours, en train de parler mal des autres. C'est toi qui sais tout. Ça dépend de toi. La promotion que tu cherches. Ça dépend de toi. La vie de que tu cherches. Ça dépend de toi. La tenue militaire parce que sincèrement aujourd'hui on va préparer un burger du chef, un burger au top. Alors, je vais baisser d'abord la musique, désolé hein. Vous allez m'excuser, je vais baisser d'abord la musique et puis je vais vous dire pourquoi je fais cette petite vidéo. Bien. J'adore mon souci. Oh là là.
Vous allez m'excuser. Hein. Je vais encore danser un peu parce que confinement oblige. À plaka debout. Mais déjà à plaka. Aïe, le debout de ça. La plaka de ça. Le sexinine de ça. Vous allez faire quoi? Confinement, oh, confinement. Le debout, c'est en Tunisie. La placali, c'est en Tunisie. J'adore ça. Oh là là. Je dédicace cette chanson à tous les amoureux, toutes les personnes qui vont se rencontrer à FDL Dating. Oh, j'adore. Excusez-moi, je vais m'asseoir, maintenant on va parler. On va parler. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez très bien. Je sais que tout le monde m'écoute. Je ne sais pas si je change de position. Bien, cette position-là, ça va. Voilà, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si le volume est bon, vous me dites que le volume est bon. Bam de l'air, mais ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, toi. Voilà, avant de commencer ce direct, j'aimerais déjà vous dire que nous sommes dans une période très difficile. J'aimerais envoyer mes encouragements à toute cette personne-là qui... Je baisse la musique, d'accord. J'arrête là. Je baisse encore, attendez, je baisse bien. Attendez, je peux boire un petit quelque chose, s'il vous plaît. Je peux me servir un petit quelque chose, non? Il fait chaud. J'ai trop dansé. Je peux boire un petit quelque chose, non? Ok, le volume est bon, c'est bien. Si le volume est bon, on va y aller. Je ne sais pas si je change de position. Joël Marcel, comment, non, mamie? Pardon, vous allez me permettre de boire un petit quelque chose parce que c'est pas que je suis alcoolique, mais je vais boire un petit whisky. Pardon, attendez. Je vais me servir un petit quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Pardon. Voilà, un petit whisky coca.
sorti quelque chose. Vous allez m'excuser. C'est vrai, boire la santé, voilà, il ne faut pas boire. L'alcool nuit à la santé. Mais, on va faire comment? C'est la vie, non? On va faire comment? Il faut m'excuser. Maman, vous connaissez les maisons de Mengi. Le trou de ça. Boire un petit Jack. Sans vouloir faire la pub du Jack Daniels. Et boire un petit quelque chose. Je me permets, pardon. Parce que, pardon, non, laissez-moi boire, ouais. Juste un peu, ouais, vous aussi, pardon. Pardon, un peu seulement. C'est pas que je vais boire beaucoup, hein. Je bois juste un peu et puis on va commencer. J'ai pas envie de clasher, en fait. C'est pour ça que je n'ai pas porté l'habit militaire. Sincèrement. Je n'ai pas porté... J'avais pas envie de... Habille-toi convenablement. Ma chérie, excuse-moi. Je suis habillée, je suis à la maison. Arrête de dire qu'habille-toi convenablement. Moi, je suis nue. Je suis à placard debout, non? Quand tu as placard debout, n'est-ce pas, tu montres que ça a réussi. Mais avec le confinement, on mange, on boit beaucoup. Voilà. Maintenant que j'ai bu... Merci d'être aussi connecté. Merci d'être connecté aussi nombreux. Je n'ai pas envie de clasher, en fait. Je n'ai pas envie de clasher. C'est pour ça que je n'ai pas mis ma tenue militaire. Parce que ma tenue militaire se porte quand il y a des trucs vraiment... C'est où je porte la tenue militaire. C'est pour ça que je ne la porte plus n'importe comment. La tenue militaire, je ne la mets plus n'importe comment, quoi. Non. J'ai décidé de ne pas la porter. Je voulais la porter parce que je voulais clasher. Mais je me suis dit que le clash, ça ne sert à rien. Le clash est démodé. Parce que nous avons été les clasheuses. On a eu à clasher. Ça ne nous a rien rapporté de bon. Donc, du coup, je me suis dit que... Non, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. Donc, si vous voyez que je ne clash pas... Ça va sortir comme ça va sortir. On ne sait jamais, non. Vous connaissez ma faux, non? Parfois, la maf, faut dire que non. Elle ne veut pas. Après, elle finit par faire. Ça. Parfois, la maf, faut dire que non, je ne veux pas clasher quelqu'un. Mais après, ça sort comme ça sort, mais sans méchanceté. Oh, ne m'appelez pas, ouais. Ne m'appelez pas encore sur FDD Teen. Merci beaucoup pour les personnes qui m'ont fait confiance. Voilà, comme je vous disais, j'avais envie de clasher, mais je me suis dit, le monde va mal. Le monde va très mal. Si j'ai fait ce direct aujourd'hui, c'est pour rassurer. C'est pour rassurer mes fans. C'est pour rassurer les personnes qui m'aiment. C'est pour rassurer les personnes qui prennent mes nouvelles via les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des gens avec qui je suis, on est bien, mais pour me joindre, ils prennent pour ma voix, pour savoir si je vais bien, peut-être la famille. Les gens prennent mes nouvelles sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, je suis venue juste vous rassurer. Vous rassurer que je vais bien. Je suis en plein confinement comme tout le monde. J'ai choisi de passer mon confinement dans un environnement que j'estimais que c'était bien pour ma mère. Donc, j'ai choisi de passer mon confinement ailleurs. Parce que vous savez, l'Europe, c'est pas facile. Pendant cette pandémie, pendant ces moments difficiles, nous tous, même ceux qui n'aiment pas aller travailler, ont compris que sortir de la maison pour aller faire quelque chose, c'est bien. Sincèrement, la pandémie, c'est là. Le confinement, si c'est... C'est un moment très difficile. C'est très difficile. Et c'est très difficile pour tout le monde. Au début de la pandémie, avant le confinement, le gouvernement a demandé à chaque personne de choisir un endroit où il va passer son confinement. J'ai choisi de ne pas passer ici chez moi dans mon appartement.
comme je vous ai dit, pour les raisons que je vous ai expliquées, pour faire profiter le soleil à ma mère, j'ai décidé de passer un peu dans un environnement, tu voyais un peu où ma mère, elle peut profiter du soleil et tout et tout. Parce qu'aujourd'hui, ma mère, c'est comme mon bébé. Ma mère, elle est tout pour moi. Donc, pour moi, c'était pour elle. Et puis, j'ai entendu les rumeurs comme quoi on m'a mise dehors, j'ai perdu mon appartement et tout et tout. Je n'ai pas répondu parce que, au début, je disais que non, pourquoi je vais me répondre à ce genre de choses? Vous savez, nous sommes en Europe et tout le monde sait comment ça se passe. Je ne suis pas partie du Cameroun avec un appartement. J'ai dormi par terre en Europe, j'ai dormi dans la baignoire. Je sais d'où je viens. Donc, personne ne se souvient en Europe. Tu peux être en haut comme tu peux descendre à zéro. En Europe, il faut s'attendre à tout. Et ce n'est pas une honte. Il faut être prêt psychologiquement à recommencer à tout moment. Oui, il y a des moments difficiles dans la vie comme tout le monde. Il y a des moments où je manque 10 euros. Hein. Non, sans vous mentir. Il y a des jours que j'ai même besoin de 20 euros. Il y a des moments que je dis à mon fils que, ouais, choupi, oh, s'il te plaît, prête-moi même 50 euros là. Ça arrive. Ça vous est jamais arrivé de fouiller votre poche comme ça. Tu veux même payer le métro. Tu n'as même pas 2 euros. Ça arrive parce que l'Europe, c'est ça. Il faut s'attendre à tout. J'aurais appris que j'ai perdu mon appartement. Et si c'était même le cas qu'une personne... Déjà, même la théorie, ce n'est même pas d'abord normal parce que, vous savez, déjà, un, je ne connais pas mon propriétaire. Moi, je suis locataire dans une agence très connue qui s'appelle le Century 21. Donc, ici en Europe, les agences, tu n'as pas contact avec le propriétaire. Tu gères avec l'agence. Et une agence ne peut pas laisser... Vous connaissez comment les courriers, non? On te harcèle. Oui, ça arrive, hein, que je... Surtout quand j'étais au pays, la dernière fois qu'on m'avait arrêté au pays, là. Oui, j'ai eu les difficultés. Quand je suis rentrée, j'ai appelé mon agent, j'ai dit, je ne pourrais pas vous régler ce mois, mais je vais régler le mois prochain. J'ai payé les 2 mois directement. Ça arrive, parce que quand l'agence te fait confiance, on t'appelle, tu décroches. Oui, je ne peux pas payer ce mois-ci, mais le mois prochain, je vais payer mon loyer. Ça arrive. Même les personnes qui sont dans les HLM, ça arrive. Quand je dis HLM, c'est les maisons sociales, ce n'est pas très cher. Mais ça arrive d'avoir les aérés de loyer. Parce que parfois, tu mets autre chose en priorité que ta propre chose. Parfois, tu peux décider d'envoyer l'argent au Cameroun, en Afrique, pour aider ta famille et laisser ton loyer en disant, non, le mois prochain, je bouffe la tontine, je paye mon loyer et je fais telle, telle chose. Donc, ça arrive tout ce genre de choses. Donc, je voulais dire que ça arrive d'avoir, de dire à son propriétaire, je ne peux pas vous régler ce mois-ci, mais le mois prochain. Mais vous savez comment l'Europe est. Ici, il n'y a pas de... Donc, ici, il n'y a pas de supplication. Et il y a ce qu'on appelle la loi. Quand tu es locataire, quelque part, même si le propriétaire veut te mettre dehors, il y a une procédure judiciaire. On t'envoie les courriers pour te prévenir, pour t'avertir. Quand on va te mettre dehors, il faut que tu viennes payer, il faut que tu viennes même négocier. Parce qu'on te laisse même le temps de venir négocier et de dire que non, je vais payer comme ça par mois. Et il y a une procédure judiciaire, ça prend du temps. Et en Europe, il y a une période qu'on appelle la période hivernale. La période hivernale, c'est le mois de novembre, octobre, novembre, je ne sais pas, décembre. Pendant l'hiver, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un dehors, quel que soit l'endroit où tu vis. On ne te met pas dehors. Et cette année, avec la pandémie, le gouvernement a décidé de prolonger. Donc, ça veut dire que même s'il y a des gens qu'on allait mettre dehors, on ne peut plus les mettre dehors parce que le gouvernement a dit que c'est la pandémie. Tout le monde dedans, on ne met personne dehors cette année. Donc, même s'il faut qu'on me mette dehors, c'est l'année prochaine. Parce que, regardez, ça va durer jusqu'à au mois de mai. Même si on a dit le 11 mai, ça ne veut pas dire que le 11 mai, on va commencer à mettre les gens dehors. Non. Après mai, c'est juin, juillet, septembre. Septembre, c'est déjà le temps de l'hiver. Bon, novembre, ça fait que cette année même si un propriétaire va entamer une procédure judiciaire pour mettre quelqu'un dehors, il ne peut plus mettre cette personne dehors parce que tout le monde prend prétexte. Il y a même les gens qui n'ont même pas payé leur loyer exprès parce qu'il y a le confinement. Ils profitent de ça. Il y a des gens même qui ont prévu faire les travaux chez eux, qu'ils ne font pas les travaux parce que c'est interdit. Tu peux pas le roi Merlin est fermé. Partout où on fait les travaux, c'est fermé. Partout où on vend le matériel pour les travaux, là, le monde entier est en arrêt. Donc, même si quelqu'un avait le projet de déménager, la personne ne peut pas déménager parce que qui va venir te déménager? Personne ne peut te déménager parce qu'on a dit
personne dehors. Personne n'a le droit de sortir. Bref, c'était pour vous dire que je n'ai pas acheté la maison en Europe. Mais le jour que je vais acheter la maison, je viendrai demander de l'aide. Je viendrai vous dire, aujourd'hui, j'ai acheté la maison, j'ai besoin qu'on m'aide. Je suis en appartement. C'est un choix que je sois en appartement. C'est un choix et puis en même temps aussi, ce n'est pas un choix. C'est un choix parce que quand je suis arrivée ici, vous savez, à Paris, moi, je vis dans 68 mètres carrés. Dans 68 mètres carrés, pour une personne, ça veut dire que c'est grand. Je vis dans un appartement de 68 mètres carrés. Et je vis dans cet appartement avant que ma mère n'arrive en France. Que je sois là ou pas, je paye. Il y a les moments, je fais 2 mois, je ne suis pas chez moi. 3 mois même, je ne suis pas là, il n'y a personne. Mais je ne vais pas dire au propriétaire que non, comme je n'étais pas là, tu payes ton loyer, même s'il n'y a personne. Et j'ai décidé de ne pas faire la sous-location, de ne pas vivre avec les gens parce que je suis un personnage. De ne pas vivre. Je vais dire que avant que ma mère arrive en France, à un moment, je disais, mais je peux même mettre quelqu'un dans la deuxième chambre. On me donne 500 euros par mois. J'ai parlé avec une amie à moi. Elle m'a dit que ma reine, mais tu sais que tu as beaucoup les détracteurs. Tu n'aimes pas trop qu'on sache le chez toi, que les gens viennent chez toi. Si tu mets quelqu'un dans une chambre, ça veut dire que la personne a le droit de faire comme il veut. Et demain, même ta vie peut sortir. Donc, mieux, hein, tu laisses comme ça. C'est comme ça. Qu'avant d'arriver à Paris, je vivais à Lille. Et j'ai laissé un appartement à Lille. Mon fils vit à Lille. Il a choisi de ne pas venir à Paris. Il m'a dit, maman, j'ai pris mon indépendance. Je suis papa, je suis grand. Je veux vivre chez moi et je respecte. Donc, je voulais vous dire que si un jour j'ai les moyens de vivre dans une maison, ce qu'on appelle, de vivre en maison, on appelle ça, comment vous appelez souvent même là? Les maisons là, non, on appelle ça quoi ici à Paris? Les pavillons. Si j'ai moyen de vivre dans le pavillon, j'irai vivre en pavillon parce que le pavillon, c'est toujours mieux que l'appartement. Vous comprenez un peu? Le pavillon, c'est toujours mieux que l'appartement. Personne n'est venu en Europe avec la maison. Et chaque personne qui est venue en Europe s'est fait héberger. Il y a des personnes, je vais vous dire la vérité, il y a des personnes même qui sont bien. Parce que même pour avoir un logement social, il faut entrer dans les critères. Si tu n'as pas d'enfant dans ce pays, même si tu es français, si tu n'as pas d'enfant, que tu veux aller dans l'HLM, tu vas d'abord passer au 115. Le 115, c'est l'hôtel. On te loge à l'hôtel et puis on regarde ton cas. Mais l'avantage, c'est que quand tu es français, on te met en priorité. Mais on ne peut pas te mettre en priorité devant une étrangère qui a un enfant. Écoutez bien, je suis là pour expliquer. Je veux que vous écoutez un peu. Quand tu es français, on te met en priorité. Il y a le quota des logements qu'on donne aux étrangers. Les personnes qui ne sont pas français. Les personnes qui ont leur carte de séjour. Les personnes qui sont en Asie politique. Alors, pour bénéficier de certains avantages, tu es obligé d'aller appeler le 115 pour vivre à l'hôtel. Tu es obligé de dire qu'à Bec, je souffre. Il y a des personnes qui laissent même leur logement. Qu'ils laissent leur maison même dans une autre ville. Ils vont dans une autre ville seulement vivre à l'hôtel pour qu'on les donne l'avantage. Surtout quand tu as les enfants. Parce que quand tu n'as pas d'enfants dans ce pays, ta situation est compliquée. Ta situation est très compliquée. Donc moi, je ne comprends pas cette histoire de dire que oui, elle a perdu son logement, on l'a mise dehors et tout. Et tout. Il faut être bête, vraiment bête. Je ne dis pas qu'on ne peut pas mettre dehors. Mais pour me mettre dehors, il y a la procédure judiciaire. Et pour qu'un huissier vienne te... On te donne une sommation de partir. Si tu ne pars pas, l'huissier vient fermer. Et quand l'huissier ferme ta porte, tu n'as pas le droit d'ouvrir. Nous ne sommes pas en Afrique ici que... tu as fait un mois sans payer, on vient mettre le gros cadenas pour dire que tu n'entres plus. Non, il y a les procédures judiciaires. Ce n'est pas comme ça qu'on met les gens dehors. Donc, on m'a dit de prouver, j'ai dit non. Je n'ai rien à prouver et c'est la toute première et la dernière fois. Même si on dit quoi, je ne suis jamais venue sur Facebook un jour dire que je suis venue vous montrer une belle vie. Je suis comme ça, je suis comme ça. Même chaque fois, les gens disaient, ah, c'est pas aujourd'hui qu'on dit que je suis sans abri. À un moment, on dit que je n'ai pas de logement, viens monter ton contrat de bail. Mais je suis français, est-ce que j'ai besoin? Je dis même les faux papiers, on fait les faux papiers pour prendre les logements ici. Est-ce que vous ne savez pas, il y a des personnes qui n'ont même pas de papiers, qui sont mieux logées que les gens même qui sont français. Les gens même qui ont les papiers. C'est moi aujourd'hui, il y a un peu. Quand tu vas en agence prendre un logement, il y a plus de contrôle. On vérifie d'abord bien.
On regarde ta fiche d'imposition. Moi, je ne bénéficie d'aucune aide en France. Je n'ai aucune aide. Parce que, pour bénéficier, il faut avoir le temps de faire les démarches administratives. Hein. Il faut marcher. Il faut marcher, on ne s'assoit pas à la maison, ça vient te trouver. Il faut aller marcher pour les démarches administratives. C'est un travail, il faut respecter les rendez-vous. Si tu es donc une personne comme moi, que tu n'as pas le temps, tu vas aller t'aligner quand? Tu ne peux pas aller t'aligner. Tu ne peux pas. Donc, pour bénéficier de certains avantages, il faut d'abord avoir le temps. Il faut d'abord avoir le temps il faut avoir le temps de marcher. Il faut avoir le temps de remplir les papiers. Parce que ce n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui vivent dans les HLM ici, qu'ils ont payé même en business d'abord même 10 000 euros pour qu'on les trouve le logement social. C'est même parce que le logement social, ils vont payer toute leur vie 500 euros par mois. Oui, il y a des gens qui payent. Le logement social, ça ne te donne... Quand vous voyez les gens qui sont dans l'HLM, ça ne se donne pas à n'importe qui. Hein. Ne pensez pas que... Non, il y a même les ministres qui ont les HLM. Il y a des cadres qui vivent dans les logements sociaux. Pour bénéficier des logements sociaux, hein, il faut faire comme ça. Ou bien il faut avoir l'argent. Parce que oui, il y a la corruption en Afrique. Mais en France aussi, il y a la corruption. Les gens payent. Quelqu'un te dit que donne-moi 10 000 euros. Je t'amène. Donne-moi 5 000, 6 000 euros. Il y a des gens qu'on a escroqués pour ça. Que donne-moi 6 000 euros. Hein, je te monte un dossier clair. On te donne l'HLM à ton nom. Oui. Mais que tu as payé d'abord avant. Il y a des personnes aussi qui vivent dans les logements sociaux, qu'on paye 200 euros par mois, mais ils ont les aérés. Oui, 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 parce que pour eux, ils se disent que non, c'est moins cher, je vais payer. Après, ils ont des aérés. Moi, j'ai choisi de vivre, quand je suis arrivée à Paris, j'ai choisi un endroit où je suis bien. Je vis dans un logement privé où je paye tout avec mes charges, 1200 euros par mois. Quand je parle de charges, je parle de tout. Par mois, 1200 euros, je ne bénéficie d'aucune aide. Pourquoi? Parce que j'ai été piégée il y a quelques années avant et que je dois de l'argent à l'État français par rapport à ce genre de choses. À une époque, j'ai déclaré que je souffrais beaucoup. L'État m'a aidée. L'État me donnait ce qu'on appelle le RSA. On me reversait tout. On me reversait par mois, j'ai rempli mes papiers, j'ai déposé comme avant, je ne travaille pas, je souffre et tout, on m'a versé de l'argent pendant des années. À un moment, parce qu'il faut souvent aller donner un papier pour prouver, à un moment donné, je suis partie, donc j'ai fait peut-être 2 mois ou 3 mois, on ne m'avait pas payé mon argent. Quand je suis allée réclamer, on m'a dit de faire, j'ai fait un truc quoi. Après, on a envoyé quelqu'un chez moi pour vérifier où je vivais. Et l'enquêteur arrivé à la maison, me dit que oui, mais pourquoi vous vivez dans ce bel appartement? La personne, je vivais, quand j'étais à Lille, là, les gens connaissent où je vivais à Lille. Mon appartement, c'était pas du n'importe quoi. Quand on a envoyé un agent un enquêteur, là, il est arrivé chez moi, il me pose des questions. Vous êtes mariée? Je dis non, j'étais mon mari ailleurs, alors que je vivais dans la maison avec un homme. Il a entré, il a vu, je vis dans un logement privé et tout, je payais là-bas 840 euros, mais je touchais encore les aides de l'État. Le monsieur m'a posé des questions, vous travaillez quoi? J'ai dit non, je ne travaille pas et tout. Il a regardé, j'étais dans un appartement de 84 mètres carrés, 3 chambres, à Croix. Ils ont dit que vous vivez avec qui? J'ai dit non, je vis juste avec mon fils et tout, je suis mais isolée. C'est comme ça qu'on m'a posé des questions et tout. J'ai senti qu'il y avait un souci. Après, quand le monsieur m'a posé des questions, mais vous ne travaillez pas, mais comment se fait-il que vous avez tel... Je ne sais pas, quand il entre, il a vu une grosse télé, il a vu que j'étais vraiment bien meublée, que j'étais bien. Et il me dit, mais comment se fait-il que vous vivez ici et vous dites que vous souffrez? Je ne comprends pas, parce que je voulais qu'on me fasse le rappel des mois qu'on ne m'avait pas donné et tout. Quand la personne, quand l'enquêteur m'a posé des questions et tout, j'ai répondu, vous connaissez les blancs, quand il entre chez toi, la CAF, voilà, c'était un enquêteur de la CAF. Je touchais même l'argent pour choupi, je faisais donc les histoires qu'on dit souvent que non, tu peux avoir de l'aide, tu peux avoir ceci, il faut faire très attention. Donc je touchais aussi toutes ces aides-là et tout. Quand l'enquêteur de la CAF entre chez moi, il me pose des questions et tout, parce que la CAF, c'est pour aider ceux qui souffrent. Mais
Il y a des personnes aussi qui n'ont pas trop de problèmes, mais qui font tout pour toucher cet argent-là. Et quand on t'attrape, c'est les problèmes. Donc, après, l'enquêteur de la CAF m'a envoyé, un courrier pour dire que viens rembourser tout ce que j'avais déjà touché. Est-ce que vous imaginez, on vous dit que venez rembourser, la CAF vous a déjà donné 6300 euros. Il faut payer, il faut que vous remettez l'argent-là. Parce que nous, on a jugé que vous travaillez, vous avez un moyen de revenu et tout, vous avez un moyen de revenu, vous n'êtes pas sans revenu. Vous avez un moyen de revenu. Donc, il faut, ça s'appelle le trop perçu, il faut venir rembourser. Et depuis cette époque-là, je n'avais jamais remboursé. J'ai préféré ne pas rembourser. Donc, tout le monde est endetté quelque part ici. Je n'ai pas remboursé la CAF. Donc, quand je suis arrivée ici, là, j'ai dit que non, moi, je n'ai pas pu moi faire les démarches pour dire que je vais toucher les histoires de la CAF. Je vais, non. Parce qu'on sait que j'ai une société, on voit les entrées et tout, on voit comment ça se passe. Donc, je ne peux pas aller toucher ou bien demander, comment on appelle là, c'est qu'on t'aide à payer le logement là et tout. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, bref, c'est un peu ça. Donc, moi, je paye mon loyer en plein pot. Et ça peut m'arriver de ne pas payer, mais de faire un rappel après, parce que ça arrive à tout le monde dans ce pays. Ça arrive à tout le monde. Il y a eu des fois que Dieu éternel, il est le seul qui connaît là où mon agence immobilière, là où je paye mon loyer, à Saint-Thierry 21. Il y a, quand j'étais au Cameroun, là, il m'a dit, ma soeur, laisse, je vais t'aider, je vais payer un mois pour toi. Il est allé là-bas, il a signé le chèque pour moi. Donc, je vais dire que même s'il faut qu'on me mette dehors, ce n'est pas comme ça. Donc, je voulais rassurer mes fans. Quand même, je vais vous rassurer. Je vais quand même, tu voyais un peu. Je ne vais pas filmer partout, parce qu'il y a des ordres dans ma chambre. Je vais juste vous montrer la salle de bain, le petit cadre pour ceux qui sont entrés chez moi. Et tout. Et puis, je vais revenir m'asseoir pour continuer le direct. Ce que j'ai envie de dire à mes sœurs camerounaises, à toi qui me déteste, à toi qui me hais, à toi qui me hais sans raison, à toi qui me hais avec raison parce que j'étais offensée, j'aimerais demander à toutes ces personnes. Nous sommes dans un moment où le monde va mal. Les gens meurent, je peux être avec vous là. Demain, je ne suis plus. Ça ne va pas dans le monde, mes chers frères et sœurs. Sincèrement, je vous demande pardon de tout mon cœur. Si je vous ai offensé à un moment de votre vie, dites que 2026, avec la pandémie, si regardons ceux qui meurent autour de nous, arrêtons de nous faire du mal, arrêtons de nous souhaiter du mal. Oui, il y a eu des moments où je jubile aussi, c'est le clash. Tu jubiles aussi du malheur des gens, le clash. Mais depuis un certain temps, vous avez même remarqué que je ne suis plus trop les vidéos tout le temps, parce que je travaille, je réfléchis, je pense à ma vie, je me dis, mais si les autres sont milliardaires, pourquoi pas moi? J'aimerais être riche demain. Il n'y a personne qui ne rêve pas être bien demain. Donc, mes chers frères et sœurs, regardons comment les gens meurent. Regardez comment les gens meurent. Si tu n'as pas peut-être quelqu'un autour de toi qui est décédé, tu connais quelqu'un qui est mort pendant cette pandémie. Ça ne prend pas que les vieilles personnes. Ça prend aussi des personnes qui sont jeunes. Regardez au Cameroun comment les gens sont en train de souffrir. Regardez autour de vous. On vous dit qu'en France, nous sommes à 16 à 18 000 morts. Aux États-Unis, 34 000 morts. En Italie, en Espagne, regardez toutes ces personnes. Regardez comment les gens sont en train de partir dans le monde. Il y a une guerre biologique, une guerre qui est en train de se passer. Le Chinois a créé quelque chose pour tuer le monde. Mes chers frères et sœurs, laissons la sorcellerie. Laissons la sorcellerie. L'amitié, ça peut finir. Même le mariage de 20 ans finit. Hein? Si tu as été avec quelqu'un, ma chère grande sœur, aujourd'hui je m'adresse à toi, je vais te parler. Parce que je vois que tu vas mal. Je vois que tu vas mal, j'entends tout ce que tu dis sur moi. Je ne te suis pas. Parce que dès lors on me dit que quelqu'un me déteste, je ne peux pas suivre la personne. Tu es une dame que j'ai énormément respectée. Tu es une grande sœur, tu es maman, tu es mère de famille. Arrête ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Regarde la pandémie, regarde les gens qui sont autour de toi. Tu n'es pas obligé de venir t'asseoir pour raconter tous les anepsies que tu racontes sur moi. Tu m'as vénéré pendant des années. J'étais ta Kimka, maman. J'étais ta Kimka. Hein? On a fonctionné ensemble. Je suis allée au Canada pendant 4 ans pour les soirées. C'était le donnant-donnant. Tu m'as donné, je t'ai donné. Tu m'as payé, je t'ai ramené les fans. Qu'est-ce que tu me veux? Je t'ai dit, je ne viens plus au Canada, c'est trop loin. Une star n'est pas vulgaire.
Je suis allée au Canada pendant 4 ans. Je n'irai pas la 5e année. Je te l'ai dit quand on s'est séparés, ma chère grande sœur. À l'aéroport devant ton mari, je t'ai dit je ne reviens plus au Canada. Tu m'as dit, Makimka, les gens t'aiment beaucoup ici. Ce n'est pas de ma... Tu m'as dit que, Makimka, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute des gens qui t'aiment. Les gens t'aiment trop ici au Canada, oui. Je remercie toutes ces personnes qui m'aiment. Mais je me suis dit qu'une star, tu vas quelque part à un moment donné, tu peux aussi. Je ne te déteste pas, je ne te hais pas. Je suis désolée, maman, si à un moment de la vie, tu as essayé de me joindre en me laissant des messages sur WhatsApp. Je n'ai pas écouté, je ne t'ai pas répondu. Je suis vraiment désolée. En fait, je ne suis pas venue vers toi par une amitié. Tu n'as jamais été mon amie. On ne parle pas le même langage. Tu es une femme mariée, tu as ta vie là-bas, j'ai mes amis ici. Je ne pouvais pas être au téléphone tous les jours avec toi à raconter mes affaires, je ne sais pas, parler de ma vie privée. Je ne sais pas, pour être amie avec toi, tu n'étais pas mon amie. Tu étais mon manager, comme tu le dis si bien. On a travaillé ensemble. Maintenant, c'est fini, que chacun prenne sa route. Je suis désolée si à un moment donné, il y a eu les glissements de mots partant de ma bouche. C'est parce que tu es allée trop loin. Tes amis ne sont pas les miens. Tes amis, je les respecte. Je ne suis pas celle qui prend les amis des gens. Vous avez pris mes amis, on a vu. Vous avez pris Marie Larose. On a vu comment elle a fini. Hein? Ouais, maman, laisse comme ça. Tu m'as déjà beaucoup insulté. Insulté même la pauvre maman Anna. Ce n'est pas grave. Insulté même mon fils, ce n'est pas grave. Ma soeur, ma chère soeur, dans le clash, tout est permis. Tu es ma soeur Bamileke, vous parlez de Bami Pawa, Bami Pawa. C'est bien Bami Pawa. Mais c'est les Bamileke qui me détestent. C'est les Bamileke qui me haient. C'est les Bamileke qui me cherchent les problèmes. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Elle, toujours parce que je suis une personne que les gens aiment. Mais l'amour, ça ne s'achète pas. La starmania, ça ne s'achète pas au marché. L'amour, les gens m'aiment avec mes qualités et mes défauts. Je n'ai jamais dit que j'étais une fille parfaite. Tu me détestes, il n'y a pas de problème. Pour faire des alliances, pour descendre une seule personne qui est fleur de l'île. Mais vous voyez que je ne tombe pas. Mais quand vous voyez que vous n'êtes pas, je ne sais pas, vous... Vous dormez, vous couchez, vous ne dormez pas, vous pensez à moi. Pourquoi vous fantasmez tant sur moi? Hein? Tu fantasmes tant sur ma vie. Je ne sais pas pourquoi, maman. Si demain nous sommes en Europe, la vie c'est un choix. Hein? Est-ce que tu es amoureuse de moi? Si je suis lesbienne, ce sont mes fesses. Si je suis bordel, ce sont mes fesses, je fais la bordelerie si je veux. Si je suis soulade, c'est ma bouche, c'est mon ventre, c'est moi qui bois. Qu'est-ce que tu cherches dans ma vie? Si je veux seulement qu'on me lèche, on me lèche. Pourquoi tu me veux? Tu es amoureuse de moi. Si tu es amoureuse de moi, tu n'es pas ma qualité. Tu n'es pas mon genre de personne, maman. Laisse comme ça. Continue ta vie, maman. Si ton mari est parti, essaie de le reconvaincre. Je ne peux pas te dire de te filmer avec ton mari pour nous montrer parce que je sais que tu ne le feras pas. Dans tous les couples, il y a les hauts et les bas. Il y a les hauts et les bas, il n'y a pas de couple parfait. Maman, concentre-toi dans ta vie. Tu es venue en Europe, on t'a invité de venir faire la soirée en Europe. Tu es arrivé en salle, on t'a rasé. Tu as compris que tu n'étais rien du tout, que tu n'es pas une star. Ai-je toujours de ma faute? J'étais terriblement bien habillée. J'étais bien habillée, j'étais classe, j'étais chic, j'étais élégante. Les gens étaient fiers. Ça t'a fait mal, tu es sortie, tu es partie. Maman, j'étais chassée. On peut même se retrouver dans les soirées. Ça me fait quoi, maman? Chacun dans son côté avec ses fans. Chacun a ses fans sur Facebook. Dans le Facebook, il y a les. Chacun a sa starmania, chacun a le niveau de sa starmania. Il y a des gens qui me détestent. Il y a les gens qui convainquent même leur famille que M. Fleur de Lille, la personne que je ne vais pas l'aimer. C'est comme ça et pas autrement. Maman, je ne peux pas prendre tes fans. Ce que je vais dire à mes fans, je vais dire à la team PDG, que il y a les gens qui sont venus derrière moi. Toi, cette personne, toi, cette dame qui m'a tant vénérée, je t'ai connue, tu dansais avec le collant. Tu ne connaissais pas mettre le rouge à lèvres rouge comme je mets. Tu mettais que le rouge à lèvres bleu. Tu dansais avec les debout sur la tête, les matobas sur la tête. Tu dansais ton bracata que tu connais là. Mais... Je t'ai dit même par téléphone que ouais, ne mets plus les rouges à lèvres de telle couleur. Mets un rouge, quand on est noir, on met un rouge à lèvres rouge, c'est joli et tout. Tu es ma grande soeur, je te respecte, je ne sais pas ce que tu me veux. Tu danses, on ne te connaissait pas, grâce à moi, on t'a connu. Tu as pris la clique et les claques des gens que j'ai surnommés, les tatas machin, les tatas chouettes. Vous êtes unis contre moi, je vous dois quoi? Moi, je ne suis pas une fille qui part à l'église tous les jours. Je crois en Dieu. Pourquoi vous portez la Bible, vous portez Dieu? Et vous faites du mal aux gens. Comment quelqu'un qui se met devant la Vierge Marie qui prie, mais qui complote pour faire du mal à sa sœur. Toi, l'autre mère, là, si je te demande que je te dois quoi, tu ne peux pas me dire ce que je te dois.
Tu vas seulement dire que les faux profits t'ont insulté. Les faux profits, c'est moi, maman. Je les connais où? Moi-même, quand ils se retournent contre moi, vous voyez. Quand ils vont dans les imbos, dans les groupes, faire le Congo, ça sur mon nom. Ils parlent de moi. Vous voyez, c'est comme si on se connaissait alors qu'on ne se connaît pas. Oh, Zanno. Oh, je ne connais pas. Oh. Je n'ai jamais, moi, appelé quelqu'un un jour. Que ce soit mes enfants qui me défendent. Que ce soit mes abeilles. Je n'ai jamais appelé une abeille un jour de ma vie pour dire que, oh, va en guerre pour moi. Va me faire le direct. Va me faire ceci. Chaque personne qui bat. Chaque abeille, comme j'ai dit, chaque abeille qui vient, c'est volontaire. Quand quelqu'un veut partir, ce n'est pas le dicalo. On ne tape pas le dicalo. Quand tu supportes ta star, tu la respectes. Quand on supporte sa star, on ne fait pas le Congo ça sur ta star avec les détracteurs. C'est ça, une star. Parce qu'une star, c'est une personne qui est comme toi. Une star, c'est quelqu'un qui a le cœur. Ta star, c'est quelqu'un que tu te mets devant, tu dis que je meurs avec elle. Tu as un problème avec ta star. Ta star te fait que je qui n'est pas bien. Viens dire à ta star que je n'ai pas aimé. Mais là, une star comme moi ne peut pas répondre à tout le monde. Une star comme moi ne peut pas retenir le nom de tous les faux profils. D'ailleurs, chaque faux profil, il y a quelqu'un. À un moment donné, j'ai dit non, c'est trop. Chacun doit se retenir. Retirons la troupe. Retirons la troupe parce que c'est l'énergie. Tous ces gens qui me soutiennent, toutes ces personnes qui ont créé les faux profils pour moi, c'est des gens qui passent des nuits blanches pour me soutenir. D'ailleurs, je les remercie. Mais parfois, ce n'est pas une solution de rester faire le clash en longueur de journée, faire le clash. Parfois, tu oublies ta mamie de feu parce qu'elle est sur Facebook en train de faire le clash. Parfois, d'autres même, je ne connais pas les faux profils. Et même si je les connais, sont mes soldats. Je n'ai pas balancé qui est faux profil. Il y en a qui m'ont offert les cadeaux, qui ont raconté partout. Oui, je lui ai donné 100 euros, j'ai fait ceci. Mais c'était pour eux, c'était leur volonté. Ils ont fait volontairement et je les remercie. Hein? Je les remercie, je suis votre star, je suis votre mafo. Beaucoup sont venus derrière moi, j'ai fait la publicité du commerce des gens. Ici sur les réseaux sociaux, vous avez vu. Je suis la seule qui a fabriqué. Je suis la seule. Parce que quand vous voyez d'autres stars là, eux ne fabriquent personne. Ils sont ingrats dans leur starmania. Et je leur tire un coup de chapeau. Oui, les autres consoeurs de Facebook, les autres collègues, elles ont déjà fabriqué qui? On a vu ce qu'on parle de cette personne. Personne. Elles sont ingrats dans leur starmania. Et je pense même que c'était une bonne chose. C'est une bonne chose que mes collègues soient ingrats dans leur stamania. Oui, on a fait la guerre. Nous sommes même partis aux mains. Les gens ont gardé les trophées. Moi-même, j'ai le trophée ici que c'est Kalamongo qui porte le trophée là. Les autres ont même gardé un copter de ma boucle. Nous sommes partis aux mains. Mais à un moment, ça ne sert à rien. On grandit, on vieillit. On voit les gens qui meurent autour de nous, on en a marre. On se dit que non, c'est quoi cette vie? Ça ne sert à rien. Mes chers frères et sœurs, j'étais au Cameroun pendant qu'on a retiré mon passeport. Vous avez jubilé que je vais partir en Koningé. Mais vous ignorez que, comme j'ai toujours dit, le Kaolo, c'est quelque chose qui est bien. Le Kaolo est fine. Hein? Que j'ai mon Kaolo, je suis française. C'est on dit que je n'étais pas française. Mais l'ambassade de France a plaidé pour moi. Je suis partie, on m'a arrêtée juste pour un problème tribal. Pas le tribalisme. On m'a fait chier dans mon pays, qui est le Cameroun. Les gens ont jubilé jusqu'à faire le challenge passeport. Non, je vous ai donné les mains que la méchanceté vous appelle bonjour. Mais vous êtes méchant. Comment, même si on s'en... Je dis que même si on s'engueule, on va descendre à la repos de Douala, à la repos de Simalé ensemble. Pourquoi vous souhaitez le malheur de votre soeur? Pourquoi vous souhaitez le malheur? La façon que vous souhaitez mon malheur, je n'aurai que les bénédictions. Les gens ne sont pas bêtes, les gens ne sont pas dupes. Les gens voient clair que vous êtes jaloux de moi. Nassau people d'ici, les gens voient clairement que c'est de la jalousie. Si on prenons le but, faisons le bilan. Faisons le bilan de chaque personne sur Facebook. Qu'est-ce que tu as réalisé depuis que tu es sur Facebook? Chacun fait le bilan. Si je commence à faire le bilan, je prends le stylo, je dis que bilan maintenant, depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, passons au bilan. Qu'est-ce qu'il en est de l'orphelinat? Maman, la mère des orphelins, ma copine, chaque fois quand tu entends que j'ai un malheur, tu jubiles. Tu ne vas jamais laver ton cœur parce que je suis venue à ton lieu de service, au lieu saint. À un moment donné, tu peux aussi la laisser. S'il y a une personne que j'ai combattue, c'est avec toi. J'ai vu les problèmes du passeport, tu as jubilé. Jubilé de quoi, je ne sais. Je ne te dois rien, on ne se connaît pas. On n'a jamais été amis. On n'a jamais été amis, je ne te déteste pas. Mais tu n'es pas mon ami. Même si tu t'appelles Mako. Parfois, je vais m'amuser même. Je prends ta photo avec moi où tu dansais le bal à terre, Mako. Je mets ça sur Facebook et dis que voici ma copine, comment elle va. Quand tu étais malade, ma copine d'en face, quand je dis ma copine, tout le monde connaît. Mako, quand tu étais malade, je tapais ton mur, je regardais souvent. Ça me faisait mal, je disais que mais elle est où? Parce que quand tu as ton adversaire, je disais que mais elle est où, non? Je tapais souvent, je dis que ouais, elle est où? Parce que tout le monde guette partout. Je ne te suis pas, mais je guette.
Tu as regardé et dit que ouais, elle est où? Quand j'ai vu que tu étais malade, ça m'a fait du mal. Et pendant ce temps-là aussi, moi, j'étais malade. J'étais venue de l'Allemagne, je ne me sentais pas bien. Hein? Quand j'ai vu que tu étais malade, ça m'a quand même, tu as beaucoup fondu. Ça m'a fait mal que tu étais malade. J'ai dit que, hey, merci Seigneur, qu'elle soit bien et tout et tout. Maman, tu entends que mon malheur, tu te mets, tu veux danser, tu danses quoi, ma chérie? Ton mari est parti en prison et si tu m'as jamais vu parler de ça, parce que je ne peux pas souhaiter que... Ton mari, c'est quelqu'un qui est très gentil. C'est un monsieur très sympa. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je ne peux pas souhaiter son malheur. Aujourd'hui, on ne peut pas souhaiter que quelqu'un soit en prison. Parce que nous tous, pendant le confinement, nous confirmons ce qu'on appelle la prison. On comprend que ce n'est pas facile, la prison. Parce que nous tous, nous sommes en prison. À l'heure où on passe le confinement, là, c'est la prison. Je ne peux pas jubiler du malheur de quelqu'un. Tu ne m'as même pas vu passer sur ça. Tu ne m'as même pas vu faire que je vais parler que ton mari est Ongata. Parce que ça peut arriver à tout le monde. On ne part pas en prison toujours dans ce pays parce qu'on a volé. On peut aussi aller en prison parce qu'on a, fait quelque chose de pas bien. On se retrouve derrière les barreaux. Ça peut arriver à tout le monde. Hein? Tu peux être en train de bagarrer même avec ton mari ou avec ta copine. Il y a un problème, tu finis en prison. Donc ça arrive, ma chérie. Ne jubile plus parce que tu entends que machin chouette. Si tu entends même qu'il y a quelque chose, laisse aussi. Laisse aussi, maman. Ce n'est pas ça, ça t'avantage. Tu es la mère des orphelins. Ça t'avantage à quoi? Tu vas danser, tu vas te... Ça va changer quoi? Ce n'est plus ça, on n'est plus à ce moment. J'ai mon agence matrimoniale aujourd'hui. Tout le monde peut s'inscrire. Hein? Tout le monde, si tu as les gens que tu connais qui peuvent s'inscrire, ils viennent s'inscrire. Hein? Et celle du Canada. Je suis aujourd'hui celle qui a l'agence matrimoniale FDL Dating. Je mets les gens en relation. Tu es la conseillère de Terriblement Mariée. Je peux mettre, il peut avoir un mariage et tu donnes le conseil pour rester dans le mariage. On peut être associé, on peut se mettre ensemble. Je te donne le pourcentage même de 5 euros. Tu travailles avec moi. Quand un couple est déjà formé dans mon agence matrimoniale, je dis que je connais une conseillère de couple qui est terriblement bon conseil. Concentre-toi sur quelque chose et puis tu travailles avec moi. Qu'est-ce qu'il y a que tu... Même si je fais pour escroquer, c'est mes fans. Même pour escroquer, il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence. Les gens ne viennent pas vers moi parce que vous me sabotez, mais les gens viennent vers moi parce que, par curiosité et parce qu'ils ont confiance en moi. La façon que vous faites ma publicité, c'est incroyable. Il y a trop de gens. J'ai même fermé le lien d'inscription parce que, à partir de maintenant, tous ceux qui veulent faire partie de notre agence, qu'on doit présenter les gens, ils doivent payer. Oui, ils doivent payer leur argent et reviennent avant leur reçu et on les paye. Je mettrai le lien en ligne. Demain, je ferai un direct spécialement pour ça. Je passe juste dessus pour dire que, maman, si c'est que tu n'es même plus dans le mariage, ça arrive. Le mariage est fini, mais tu as gagné tes enfants. Si ça finit, tu viens à FDLDT, je te donne un mari, non, maman. Ce n'est pas toujours une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Mais ce que je vais dire à mes fans aujourd'hui, c'est que, oh, mes fans, oh, on me déteste comme ça pour l'argent que vous ne donnez plus. Oh. Parce que beaucoup ont mangé l'argent derrière moi. Ne donnez plus. Oh. Ne donnez plus 5 francs. Oh. Et pleure comme ça le profit. Beaucoup comme ça pleurent que le profit parce qu'ils étaient profités derrière moi. Ne donnez plus rien. Oh. Si vous m'aimez, ne donnez pas. Oh. C'est là, on pleure comme ça. Que les gens, certains sont devenus amis avec moi en croyant qu'ils vont devenir milliardaires. Ils prenaient les choses derrière moi, ils mangeaient. Ils prenaient, ils mangeaient. Les abeilles, que chacun aille travailler. Seul votre mafo que vous pouvez donner. Mafo, une place. Une seule place, ce n'est qu'à moi que vous pouvez donner. Hein? C'est comment? Toujours parce que... maman, fais tes soirées, non, mamie? Fais tes soirées. Tu fais... Il y a d'autres stars, Brakata, sur Facebook. Tu les invites, chacun a sa cote de popularité. Ils vont venir toujours, ils vont te donner les clients. Va faire les soirées. Il en est où? Donne-nous le bilan du poisson fumé. C'est comment? C'est comment avec le poisson fumé que tu fumais ici? C'est comment avec les boyaux sur mesure? Ou ces boyaux sur mesure? Je ne sais même pas. Boyaux fermés dans le plastique là qu'on vend. C'est comment avec ça? C'est quoi le bilan? C'est comment au restaurant de là-bas où tu pilais le tarot là? Là où tu pilais le tarot, terriblement tarot, terriblement le condé de chèvre là, c'est comment là-bas? Tu ne travailles plus chez Diallo. Ouvre même ta part, non maman. Personne, j'ai dit ouvre même ta part de restaurant. Tu connais terriblement préparé. Pourquoi? C'est comment avec Uber, avec l'autre là, hein?
dans la vie, il ne faut pas attraper ceci, tu attrapes ceci. Tu as... J'ai attrapé FDL, j'ai fini avec, j'ai déposé, c'est à côté. FDL se porte très bien. Aujourd'hui, ma deuxième société, FDL Dating. Demain, vous allez entendre que j'ai un groupe. C'est déjà un groupe. Ce n'est pas l'ombrakata du quartier. C'est légal. Ma mère, pense comment tu peux aussi être patronne, on voit. C'est tout, ce n'est pas le défi. Hein. Ce n'est pas obligé d'être marié pour s'en sortir, mais c'est obligé d'être avec quelqu'un pour être bien. Parce que où tu dis que je tourne dans un coin de maison, toi-même tu te places dans un mur. Désormais même, personne ne va plus voir le derrière de où je me trouve. Oui, parce que vous funez toujours qu'elle est où aujourd'hui, elle n'est pas chez elle. Vous commencez à vous poser les questions, mais c'est comment non? Chez elle, il n'y a pas le jardin, comment se fait-il qu'elle assise dans un champ? C'est ce genre de choses. Vous vous posez des questions, occupez-vous de vos vies. Pendant que vous faites ça, je pense alors à mon escroquerie. Comment je vais faire alors pour escroquer les gens? Si j'escroque, les gens qui viennent s'inscrire dans mon agence sont des personnes qui me font confiance et ils ont 80%. Ils savent qu'un Igowaka, notre mari, il faut pas nous trouver notre mari. Oui, c'est comme ça. Si je dis que filme ton mari, tu ne peux pas. Vous avez fait même vos maris ont fui aller habiter chez les Njomba. Hein? Ce n'est pas que je suis en train de te clasher. Je te dis ce qui est vrai. Tu es une maman. Comporte-toi comme telle. Même si j'ai 60 ans, il est plein. Hein? Même si j'ai quel âge, je ne sais pas. Comme tu dis souvent que... Oh, elle a 50 ans. C'est moi, non, mamie? C'est moi. Si j'ai 50 ans. Si j'ai 50 ans, c'est mon problème, non? Si je suis pauvre, c'est mon problème, non? Tu as dit que j'ai envoyé quelqu'un brûler ta maison. Maman, comment je vais envoyer quelqu'un? C'est l'accumulation des choses. C'est parce que quand tu as un cœur noir, les malheurs te suivent. Il faut aller laver la tradition au village. Il faut aller laver, tu as fait. Il faut aller, tu le fait au village. Toi-même, tu t'assises, tu as brûlé ta maison en faisant frire l'œuf. En Europe, quelqu'un s'assoit que pour, c'était pour frire les patates. Pour frire la patate. Tu as brûlé ta maison en faisant frire la patate. Chose qui peut arriver parce que moi, un jour, il y a eu ici, là, le feu. Les pompiers sont arrivés parce que je laisse toujours l'huile dans le four. Donc, quand je viens de cuisiner, je mets l'huile dans le four. Même l'huile qui chauffe. Un jour, ça a explosé. Les pompiers sont arrivés ici. C'est un accident, ça arrive, non? C'était un accident. Toi, tu voulais frire la patate. Tu m'as dit que c'était pour frire la patate. Ça a pris feu. C'est un accident, ça arrive. Tu as attendu, attendu, attendu. Où c'est? Tu as seulement organisé. De toute façon, on connaît, il y a aussi l'arnaque à l'assurance. Les gens font ça. Peut-être tu voulais une nouvelle maison ou bien tu voulais quitter où tu étais. Tu as fait ça. Mais c'est ta conscience et toi et Dieu. Ça me regarde en quoi? C'est à moi que tu donnais l'argent de l'assurance. La maison, votre maison familiale s'est brûlée au Cameroun. On m'a envoyé ça. Je suis venue ici dire que tu m'insultes à la veille que tu es parti à Paris. Voici la malchance que vous voyez là. Tu m'insultes aujourd'hui. Le même jour, votre maison brûle. Tu dis que j'ai envoyé les gens brûler. Je vais envoyer les gens que sur qui? Vous croyez qu'on envoie les gens comme ça? Tu as mis ça sur ma tête parce que tu cherches la compassion. Tu cherches la compassion des fans. Mais pour chercher la compassion, on n'a pas besoin d'inventer les choses. Moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je te réponds à toi, en bref, parce que tu es quelqu'un avec qui j'ai mangé dans le même plat. Le reste des vrac-vrac, là, des poubelles là, qui sont sur Facebook, qui jacassent là. Mais je ne peux pas te donner les locations. Je viens de te parler, il y a 5200 personnes. Qu'est-ce que je vais prononcer les noms des poubelles qui ne me servent à rien? Je ne peux pas. Ça soit assez, vous m'insultez même 100 ans, ça me fait quoi? Et je voulais dire aux gens, je vous dis, et je suis sincère, je n'ai pas besoin de savoir ce que quelqu'un a fait la vidéo pour dire sur moi. Que tu sois un proche, que tu sois une amie de Facebook, la personne qui va encore prendre son téléphone un jour me dit que, allô Flore, j'ai appris que je vais bloquer la personne et même le bonjour, la personne n'aura plus. J'espère que c'est clair. Même sur Facebook, m'écrit, oui, on a dit que je ne suis pas là pour, je ne vérifie pas vos vies. Même si on a dit, est-ce que vous pouvez regarder où vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de me dire que j'ai appris que, pourquoi? Mais à un moment donné, foutez la paix aux gens. C'est pas parce que tu soutiens quelqu'un que tu vas venir, oui, j'ai appris qu'on t'a chassé, j'ai appris que, mais attendez, il faut arrêter. Je n'ai pas besoin de savoir ça, je travaille pour présenter, j'ai une liste,
J'ai mes trucs matrimoniaux, je suis en train de travailler là-dessus, mon projet. Hein? Je suis en train de travailler dans mon projet. Je suis en train de travailler dans mon projet. Donc, je n'ai pas besoin de... Ouais, c'est qui m'appelle comme ça? Oh. Allô? Oui. Pardon, attends, je finis mon direct. Donc, ça, c'est tous les gens pour l'agence matrimoniale. Il y a les personnalités dans l'agence matrimoniale de la reine mère. Hein? Et si un jour même j'ai un problème, les fans, je vais venir vous dire que, comme voilà, c'est chaud sur moi. Mais en attendant, les gens voient même que je me bats. Parce que dans la vie, même pour demander l'aide aux gens, il faut même d'abord se battre qu'on voit que non, c'est une fille qui réfléchit. Vous savez, ça soit réfléchi que je vais créer l'agence matrimoniale de présentation. Hein? Il faut réfléchir parce que, regardez, 5000 personnes qui me regardent. Depuis que je suis sur Facebook, je donne les conseils gratuits. Je fais ceci gratuit. Aujourd'hui, je peux me permettre de dire oui. Je peux mettre les gens en contact. Bien sûr. Il y a 1250 personnes inscrites dans mon agence. Et ce n'est pas les 1250 que je vais retenir. Les seules personnes qui seront enregistrées dans mon agence seront les gens qui ont payé. Et ça coûte 200€ par inscription. Que tu sois en Afrique ou ici. Les gens de l'Afrique, je vais limiter peut-être à 50 personnes. Parce que je ne veux pas la pression. Vous savez, ceux qui sont en Afrique, ils aiment trop la pression. Dès que quelqu'un va donner ses 130 000, il va commencer à dire, oui, hein, je veux que mon mari l'ait où? Non, mon contrat, c'est 6 mois. Je redis encore, mon contrat, c'est 6 mois. Et c'est légal. FDL Cosmétiques, c'est une marque qui m'appartient en France. Donc, mon contrat, c'est 6 mois. 6 mois pour trouver une femme à un homme, pour trouver un homme à une femme. Demain, je vous parlerai mieux, je vais entrer en profondeur. Je ferai un direct spécial FDL Dating Rencontre. Oui. Donc, je dis en Afrique, je vais limiter. Parce que j'ai vu en Afrique, il y a des personnalités qui veulent les femmes. Hein? Je vais prendre en Afrique, je peux prendre même 100 personnes. Je dis bien qu'en Afrique, il y a 1200 inscrits. Mais en Afrique, je vais sélectionner 100 personnes. C'est comme ça, c'est mon choix. Donc, vous pouvez prendre la calculatrice. Parce que ce qui vous fait mal, vous calculez déjà l'argent que je n'ai pas dans la poche. Vous êtes en train de prendre la calculatrice pour calculer. Je vous connais. C'est ça les détracteurs. Au lieu de réfléchir que ouais, nous, on va faire comment aussi pour penser autre chose. C'est que vous êtes en train de prendre la calculatrice pour dire que 200... Et quand j'ai même mis 200€ que je mets là, c'est pour faire le tri, c'est pour chasser ceux qui ne sont pas sérieux. Sauf ceux qui vont payer, qui seront dans mon agence. Et ceux qui vont payer, je vais les rassurer. Hein? Donc, ce qui vous fait mal, c'est que quand vous prenez la calculatrice, vous dites, comme j'ai dit 100 personnes maintenant, vous allez prendre 200€ fois 100. Hey, elle va gagner 20 000€. Alors que je n'ai même pas. Ouais, non. Vraiment, le travail que je vous donne. C'est-à-dire que vous allez calculer, elle va gagner 20 000€. Mais deux. 100 personnes, c'est malade à 20 000€. La fille, elle sera riche. Bien sûr que c'est riche. Est-ce que je travaille avec une équipe? Vous allez calculer. Si Ambeng, elle prend 400, si 400 personnes s'inscrivent, elle aura tout ça. Oui, j'aurai tout ça. Allez mourir. J'aurai tout ça. Donc, quand vous asseyez dans mon agence, je n'ai pas besoin que tout le vrac vienne s'inscrire. Si j'ai même 50 personnes, même 30 personnes, je vais les positionner dans les mariages. C'est comme ça. Et je n'interdis à personne de faire ça. Parce que vous avez vos relations qu'on vous fait confiance. Faites, non. Ce qui est sûr est que ce que je fais là, je sais qu'il y aura toujours les gens qui vont venir se plaindre. C'est normal. Quand vous partez payer sur Mythique là, est-ce que vous êtes censé connaître qui est derrière? Mais au moins, avec moi. Je vous rassure que j'appelle chaque personne qui paye en vidéo pour avoir un entretien personnalisé. C'est ça la différence. Donc, si au bout de 6 mois, que je t'ai présenté 5 filles, tu n'as pas trouvé ta part là-bas dedans. Et ça, c'est mon problème. Moi, ça ne me regarde pas. Je suis désolée. Ce qui est sûr, j'ai 6 mois pour te présenter. Si tu es un homme, je te présente peut-être 5 filles en 6 mois. Ma seule condition, c'est que ne m'indaillez pas haut. Je ne veux pas les gens qui viennent écraser. Personne n'écrase. La personne qui écrase et fuit. On va aussi juger avant que ça passe à la PDG TV. Je ne veux jamais exposer personne parce qu'il y a le contrat de confidentialité. Nous sommes en Europe. Quelqu'un te fait un truc, tu portes plainte. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. D'accord? Donc, on va d'abord faire un peu le petit tour de propriétaire avant que... Attendez, je tourne d'abord même la caméra un peu.
Donc, j'apprends qu'on m'a chassé. Après, je suis venue encore aménager. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un... On peut te chasser, tu viens aménager encore en quelques secondes. Ce n'est même pas possible parce que ça, c'est le mensonge. Donc, ça, c'est mon petit trou que vous connaissez déjà ici. Je ne vois pas comment quelqu'un peut parler. On me chasse, on confisque mes vieux meubles. Que tu appelles que mes meubles. Les meubles, ce sont vieux. Quelque chose que j'ai acheté sur mesure. Hein? Voilà ça. Ça, là, le vide. La vitre, si c'est cassé, parce que c'est un enfant qui avait cassé ça. Ton ventre, là, je te bloque. Revois. Donc, je ne vois pas où... Vous regardez l'appartement en euros, comment c'est serré. Regardez comment c'est serré. Je ne suis pas en train de me justifier, mais je vais vous dire que... Regardez comment c'est serré ici. Regardez comment Ben est serré. Regardez, moi, je ne comprends pas. Vous pouvez inventer. Me voici ici, avec mon... Voilà, me voilà. Je fais le ski. Me voilà avec mon mari, que vous connaissez. Je ne comprends pas. Hein? Vous voulez que je vous montre les drapeaux que j'ai ramenés des États-Unis? Vous voulez que je vous montre quoi? On confisque quelque chose des gens en Ben ici, là. Hein? Moi, je ne comprends pas. Regardez comment Ben est fermé. Regardez, la terrasse. Tu sors seulement en appartement. Tu t'assois dehors comme ça. Il n'y a pas l'espace. C'est ceux qui sont au rez-de-chaussée qui profitent. Vous me voulez quoi? Même si on me met dehors demain, ça arrive, non? La vie, c'est un éternel recommencement. Je vais recommencer encore à zéro, non? Ou bien? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Je vais vous montrer quoi et vous laisser quoi. Et laisser même quoi? Voilà. Voilà ça. Hein? Vous êtes dans mon trou. J'ai seulement dit que non, je m'en vais. Je m'en vais un peu ailleurs. Et puis, je peux même rester même là où je suis. Je ne sais même pas. Je ne suis même pas obligée même de... Je ne sais... Est-ce que je suis obligée de rentrer? Mais je repars même. Quand je vais finir, demain même, je repars. Je fous quoi là? Je fous quoi ici là? Enfermé dans... Ah, calme. Laisse-moi. Donc, moi, je ne comprends pas que, comment les gens peuvent mentir. Voilà mon petit coin. Tu dis que ma cuisine... Voilà. Voilà mon petit coin. Même si je ne suis pas là. Où est le problème? Hein? Tu veux visiter chez moi, je te fais visiter à Paris, avoir un appartement de 67 mètres carrés. Ce n'est pas tout le monde. Je vous dis clair et net, les gens savent en bien. Tu comprends? Les gens savent ici en bien. C'est le serré. Donc, je ne vais même pas vous montrer ma chambre parce que il y a d'abord le désordre même que... Hein? Tu veux voir mes toilettes? Voilà. Voilà mes toilettes, je te montre. Voilà les toilettes. Tu veux voir quoi? Tu veux voir quoi? Vous voulez voir quoi? Que j'ai fui où? Hein? Que j'ai fui où? Voilà. Quand je viens chier, si je suis constipée, je commence à lire les bouquins un peu. Voilà. Hein? Voilà les pots de choupinette. Vous me voulez quoi? Hein? Vous me voulez quoi? Hein? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La salle de bain, j'ai séché les habits, je suis arrivée hier, j'ai fait la lessive. Voilà, FDL, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Hein? Vous voulez quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas, vous voulez quoi? Je me justifie, c'est normal, j'ai dit que je voulais rassurer certaines personnes qui sont toujours en train de parler, que nanana. Mais ce n'est pas que je me justifie, non? Et même si je me justifie, on a dit que Paul était bon. Ma chambre, pardon, il y a quand même, non, pardon, le désordre de ça. J'ai quand même mis la télé, ma pardon. Donc, bref, donc, même si ça ne va pas, j'ai tonton Gérard qui habite à côté, non. Tonton Gérard habite à côté, donc, mais franchement, les gens sont terribles. Donc, ça fait depuis des années, je ne sais pas. Donc, bref, c'était pour dire que, ça peut m'arriver. Et puis même si ça arrive, ça fait quoi? Ça peut m'arriver que tu n'as même pas où habiter en Ben. Il y a les filles que, il y a les femmes que. Hein. Je vais vous expliquer un truc. Parfois, hein, tu peux même être marié avec un blanc qui a tout. Quand le mariage finit avec le blanc là, tu te retrouves dans un foyer. Hein. Oui, tu te retrouves au foyer. Parfois tu es marié à un blanc même qui a tout dans la vie. Quand le mariage finit avec le blanc, tu te retrouves dans un foyer.
Trop de couleurs de quoi? Il y a quel trop de couleurs? Et puis ça fait quoi? Tu te retrouves dans un foyer d'accueil. Ça peut arriver que tu te retrouves dans un foyer d'accueil. La haine vous donne quoi? Hein? La haine vous donne quoi? Soyons unis. Soyons unis. Regardez ce que le Chinois, regardez ce que les Chinois sont en train de faire en Chine. Les Chinois sont en train de faire du mal à nos frères. Essayons de voir comment on va combattre ça. Essayons de voir comment on va dire, on va combattre que les Chinois arrêtent. Pourquoi c'est toujours le noir qui souffre? Pourquoi c'est toujours l'Africain qui doit souffrir? Pourquoi? Ma faut tes tétons. D'accord, merci. Vous avez inventé une vidéo ici que Ingrid, c'est moi. J'ai dit que ce n'est pas moi, vous avez dit que c'est moi. J'ai laissé, non? Il y a les personnes qui ont les appartements ici en Europe, qui ne vivent même pas là-bas dedans. Hein. Qui sont en Afrique, mais ils payent le loyer ici. Ils vivent en Afrique, mais ils payent un loyer ici, là, en Europe. Oui. C'est quoi? Regardons autour de nous. Je vous dis la vérité. Magasin. Je voulais dire que même si c'est que ça ne donne pas. Je vais dire à Choupi que Choupi, il m'a envoyé une vidéo là qu'il a, il fait la peinture chez lui. Si ça ne donne même pas, je vais dire que je m'en vais rester chez Choupi. Voilà, il m'a envoyé une vidéo. Maman, je suis en train de faire les travaux. Là, j'ai les travaux. Voilà. Je mets ma peinture. On a la saleté de ça. Voilà ça. Ouais, Chou. Tu as déjà fait tes toilettes. Je vais faire la cuisine au salon. Oui. Je vais faire partout au sol. Je vais faire les murs. Il m'a envoyé sur WhatsApp. Il m'a dit que maman avait le confinement. Et depuis, j'ai commencé à faire la peinture chez moi. J'ai senti qu'il a même qu'un gars que, qui gère que comme ça jusqu'à ce que tu vois Choupi. Merde. Tu vois Choupi en train de. Tu vois, Choupi en train de dire qu'il fait les travaux, maman. Il dit qu'il fait la peinture. Quand j'ai vu ça, j'ai rigolé jusqu'à. Parce que Choupi m'avait dit que je viens faire le confinement chez lui. J'ai dit que Choupi, je ne peux pas moi venir chez toi parce qu'il y a trop les choses du McDo là-bas. Quand on arrive à la maison, les assiettes, tu entassées. Le ceci, si elles viennent là-bas chez toi, vraiment, rien que les microbes dans ta maison vont tuer ma mère. Vont tuer grand-mère. Donc, pardon, elle ne peut même pas venir chez toi. Et ça m'arrive que j'arrive à Lille. Je ne pars même pas à la maison. Parce que Choupi, deux fois tu arrives, les garçons, les habits sont entassés, entassés, entassés. Je dis seulement que je m'en vais dormir chez ma soeur. Donc c'est pour dire que j'ai les possibilités. Quand j'arrive à Lille, je ne vais pas dormir chez ma soeur. Si ça ne va, je ne peux pas dormir chez Dorine, non. Hein? L'enfant m'a dit que ma PDG, je suis en train de faire moi les travaux. Maman, ouais Choupi, c'est que tu me regardes. Quand on fait les travaux, on met les nylons par terre. On ne fait pas on ne fait pas la peinture, la qualité ici là. Yeah. Regarde comment quelqu'un peut se lever pour faire la peinture. Maman, ils sont en train de faire la peinture chez moi. Regarde, c'est quoi ça? Regarde. Regarde. Le bordel, comme si c'est souvent propre. Au sol, on met le nylon. Merde. Depuis quand on fait la peinture, Chou, quand on fait la peinture, on met le nylon par terre. On ne veut pas la peinture. Maman, il s'est fait la peinture chez moi. Et quand je t'ai dit, il m'a envoyé un deuxième. Il a couvert les nylons. Il a commencé là, la peinture. Il veut faire la salle de jeu. Il veut faire la salle de jeu. Il veut faire une chambre. Il fait une salle de jeu. Bref, c'est pour dire que. Choupi, excuse-moi, comme j'étais sabotée pour dire que des fois il y a les trucs du McDo avec le quick, les cartons de ça, le coca, tout ça. Bref, excuse-moi. C'est bien. Donc, bref, c'est pour dire que si ça ne donne même pas, je ne veux pas dire à Choupi que Chou, je suis venue long ici.
Est-ce qu'il va me dire que qui a acheté les meubles là, c'est pas moi qui, c'est pas moi. Donc c'est ça en fait, c'est pour vous dire que ce sont les choses, ça peut arriver dans la vie. Je vais dire que chou, maman c'est chaud, je suis et tout, donc ça peut arriver. Vous comprenez, non, ça peut arriver quand il voit Choupi comme ça, il suis content, il dit que chou, non franchement, j'ai dit que merde Choupi, tu es là te marrer tout quoi. La qualité que tu as fait la peinture, tu me dis que tu veux faire ceci là, franchement, et sans que il veut faire la chambre de sa fille, il veut où se mettre les jeux et tout, donc bref, c'est pour dire que si c'était que même, ça ne donne pas, je pars à Lille, non, ou bien, je pars à Compiègne là-bas chez ma grande soeur Dorine, je pars vivre là-bas, non, ou bien je pars même dormir même dans l'entrepôt FDL. Il y a les gens qui vivent dans la voiture. Je vous rappelle que j'ai une X, la BMW X5. Si ça ne va pas, dors dans ma voiture. Il y a les gens qui travaillent dans les bureaux, mais qui dorment dans les voitures. J'ai vu un reportage comme ça aux États-Unis. Que quelqu'un part travailler, mais il habite lui dans sa voiture. C'est l'aventure, non? Ça arrive, non? Donc, si ça ne va pas, ne soyez dormi dans la voiture. Si ça ne va pas dans la voiture, je ne vais pas dormir dans mes bureaux. Ou bien pas même dormir. Parce que j'ai un deuxième entrepôt, j'ai un deuxième endroit où il y a encore les choses FDL. Je pars même, je dors dans le box FDL. Je fais un endroit, même mon carton, je dors le matin. Il y a beaucoup de gens ici qui dorment dans les métros. Hein. Quand tu le vois, costard cravate, il paye son ticket de métro, 2 euros. Il dort lui là, tu le vois, il dort. C'est Ben qui est comme ça. C'est l'Europe qui est comme ça, maman. C'est Ben qui est comme ça. Tu peux dormir partout, le sommeil te trouve. Il y a les gens que tu arrives chez eux. Costa Crava, tu le vois même dans un restaurant. Il est au restaurant du matin au soir. C'est parce qu'il habite quelque part où quand le matin arrive, tout le monde doit sortir. Du coup, il est obligé de venir s'asseoir au restaurant jusqu'à l'heure où Céline la doyenne commence à dire que sortez de mon restaurant parce que jusqu'à l'heure où elle commence à dire que sortez de mon restaurant. Si je ne peux pas vivre à Lille, je ne peux pas vivre chez Président Amot, non. Il y a la place. Je ne peux pas toquer, dire à ma sissou Jaguar que je suis venu habiter ici. Il ne va pas me dire non. Si ça ne va pas, j'appelle aussi ma belle-sœur Lady Ponce, non. Je dis que ma belle-sœur chérie, pardon, appelle Cuisto. Appelle à Cuisto, tu dis qu'elle ouvre une chambre, elle vient aussi dormir. Je viens vivre là-bas. Donc, il y a beaucoup de possibilités. Vous comprenez un peu. Il y a les gens que vous voulez trouver dans les restaurants ici en Europe. La personne a acheté un verre de whisky depuis le matin. Il parle, il ne boit pas, ça ne finit pas. Jusqu'à la nuit. Parce que là où il habite, il y a des heures pour venir dormir là-bas. Il ne peut pas partir avant. Parfois, la doyenne même chasse les gens. Ils sortent, mais ils restent encore devant le restaurant comme ça. Pour attendre les heures. Pour partir. Mbeng n'est pas facile, mes chers frères et sœurs. Mbeng ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait. Hein? Donc, vraiment, ne soyez jamais surpris. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à quelqu'un de votre famille. Il y a les gens qui entrent chez vous. Vous faites une soirée. La personne ne veut pas partir. La personne veut toujours rester jusqu'à ce que tu dis que mais vous ne partez pas. Parce que la personne n'a pas où dormir. Et tu sais comme ben. Donner l'alcool, c'est rien. C'est où dormir qui est un problème. Ah, j'ai même les lunettes, pourquoi? C'est où dormir en bain qui est un problème. Hein? Pour te donner à boire, l'alcool c'est quoi? Si on te donne à boire, on te donne à boire jusqu'à... C'est au moment de dormir que chacun te dit que... ouais. C'est à l'heure de dormir que chacun te dit que ouais. Comme tu vois là, j'habite chez une gars là. Elle me menace. Je parle des hommes parce que l'avantage des femmes en Bengue, c'est qu'une gars peut dormir partout. Hein. Un gars la drague, elle part là-bas. Elle n'y a sa avec, elle dort. Il y a quoi? En échange de l'amour, elle peut vivre. Mais c'est les hommes que c'est chaud. Parce qu'un gars va te dire que. Ouais, quand tu es au pays, il te promet. Non, 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 dès que tu arrives, non, il n'y a pas de problème. Si tu as ton visa. Parce que quoi que tu n'auras jamais le visa, hein? C'est quand tu es au pays. Non, 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 il n'y a pas de problème. Si tu as le visa, il y a la place à la maison. Il y a la place à la maison, il n'y a pas de problème. Hein?
Dès qu'il n'y a pas la place, il y a la place à la maison. Dès que tu as le visa, dès que tu arrives. Non, dès que tu as le visa, appelle-moi. Je peux même te compléter le billet d'avion. Il n'y a pas de problème. J'ai déjà parlé à madame, elle est d'accord. Tu commences à compter sur ça. Étant au pays, hein, tu dis que non, si je pars en Bengue, je n'ai même plus de problème pour où je vais dormir. J'ai déjà un ami là-bas qui vit avec une blanche qui m'a promis que non, il y a la place chez lui. Étant au pays, hein, donc tu ne réfléchis plus pour où tu vas dormir quand tu arrives en Bengue. Parce que tu as déjà la place. Quand tu fais ton divan au quartier, que non, 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 j'ai déjà ma soeur qui est là-bas. Vous oubliez qu'ici, là, c'est le jour que tu arrives à l'aéroport que... Parce que quand tu as le visa, hein, que tu dis que oui, j'ai eu le visa. Les anciens ben étaient là. Quand tu as le visa, non? Quand tu as le visa, tu l'appelles. Oui, oui, mon, oui, oui. Et comment il dit soit Mola? Mola, j'ai eu mon visa. Il dit quoi? Tu as eu le visa? Tu as fait comment? Il commence à faire comme s'il était trop étonné. Ah bon, tu as eu le visa? Vraiment? Ah bon, hein? Ah, tu sens que sa voix a changé. Il te félicite, mais dans son cœur, il n'est pas content. Parce qu'il sait qu'il t'a promis que tu vas habiter chez lui. Déjà, un, quand tu dis là que oui, j'ai eu le visa, il me manque seulement mon billet d'avion comme tu m'avais dit là. Oui, 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 attends, je te rappelle, je te rappelle, je suis au travail, alors qu'il ne travaille pas. Il tourne au restaurant. Il ne travaille rien, il ne travaille pas. C'est une femme qui l'habille. Il n'a aucune profession. Il s'assoit, il rêve. Tu commences à l'appeler. Ouais, pardon, envoie-moi l'argent du visa pour mon billet d'avion comme tu m'avais dit là et tout, non? Tu entends quelqu'un te dire que attends, la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. La semaine prochaine, j'appelle encore. Oui, envoie mon agent de visa là. J'achète mon billet d'avion. Il te tourne. Après, tu l'appelles. Oui, ok, mon grand. J'ai déjà mon billet d'avion. Je vais arriver demain. Pardon, c'est à Charles de Gaulle. Prends-moi, je te garde quoi. Il commence à te dire non, 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 ne me garde pas. Prends ce que tu veux. Parce qu'il ne va pas être redevable avec toi. Hein. Il commence à dire, non, 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 ne me garde rien, il y a tout ici, là, non, 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 il y a certains qui sont mauvais, il te dit les choses que tu lui gardes, il y a d'autres qui te disent, non, 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 ne me garde rien, franchement, ma femme, elle ne mange pas les choses comme ça, te dérange pas, viens comme ça et tout, parce qu'il sait déjà qu'il va t'abandonner, il sait déjà que, tu dis que oui, j'ai pris mon vol la nuit, on arrive le matin, et tu te dis que tu donnes l'heure, merci, quand tu arrives à l'aéroport, déjà, tu paniques, tu sors là. Quand les gens te demandent pas t'es où, il y a un taxi au noir là. Non, 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 il y a quelqu'un qui vient me chercher. Tu commences à le regarder. Tu ne le vois pas. Tu appelles, le téléphone ne passe plus. Après, il va te raconter qu'il avait eu un voyage d'affaires de dernière minute. Il est parti là-bas. Il va te dire que... Il va te dire carrément que non... J'avais voyagé et tout, tu as finalement fait comment? Quand il commence à te voir sur Facebook, non, tu as posté les photos, un bon samaritain qui ne te connaît de nulle part, qui n'est même pas camerounais, t'a accueilli chez lui, tu as déjà commencé à mettre les photos sur Facebook. C'est où, et maintenant, il cherche à, il allume son vieux, il prend sa puce, il remet dans son téléphone. Il t'appelle, oui, c'est comment, ouais, excuse-moi, vraiment, tu sais, j'avais voyagé, j'avais eu un voyage d'affaires, mais tu es où là, comment tu peux, venir te chercher, je peux venir te chercher où tu es. Si tu es sage, ne pars pas. Reste là où quelqu'un qui ne te connaît pas t'est hébergé. Parce que quand il va te dire que oui, tu peux venir. Quand c'est comme ça, pour quelqu'un qui est bête, tu vas commencer à dire là où tu habites. Oui, finalement, mon frère a ressuscité. Il va venir me chercher. Tu arranges vite tes choses. Le gars te donne rendez-vous. Il te dit que tu habites où. Quand tu arrives là, quand il arrive où tu es, tu as arrangé ton sac jusqu'à dire au revoir aux gens de la maison que tu pars aujourd'hui. D'autres te plaquent, ils ne viennent pas. D'autres arrivent même, ils s'assoient, ils commencent à boire. Ils boivent, ils réfléchissent dans sa tête ce qu'il va te dire. Ils boivent, ils boivent, ils boivent. Après, il te dit que vraiment, tu sais, j'ai eu les problèmes avec ma femme. Non, 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 ce n'est pas à cause de toi. Hein. C'est juste que, comme j'étais en voyage, j'ai mis long, je suis rentrée. Elle m'a dit qu'elle a commencé à me faire des histoires. Pour le moment, elle est très énervée. Elle est sous tension. Je ne peux pas t'amener. S'il te plaît, est-ce que tu peux encore dormir ici 2 jours? Et bien, et après, je viens te chercher le temps que je calme son cœur. Ben, c'est comme je vous dis là. Puis, le temps que je calme son cœur et tout, vraiment, il n'y a pas de problème. Il vient, mais il peut même te donner même 100 euros. Parce que 100 euros pour lui, c'est quoi? Il sait qu'en habitant chez lui, tu vas coûter plus que ça. Si c'est quelqu'un qui sait que tu as l'argent sur toi, que tu es venu du pays avec ton capital de mec, il va te prendre, vous allez partir chez lui.
Mais sache que c'est le début de ta calvaire qui commence. Mieux tu habites avec les Nanja, avec les gens qui ne sont même pas du Cameroun que toi. Parce que quand tu arrives comme ça, il sait que tu as l'argent sur toi. Hein. Et quand quelqu'un que tu es venu en Bénin, tu l'as trouvé. Oui, Mola, tu n'as pas dit héros là. C'est lui qui te demande. Tu n'as pas. Tu sais, la femme, si je ne peux plus. Elle est partie, elle n'a pas laissé quelque chose. Il faut qu'on fasse même le poulet là. Tu n'as pas 20 euros là. Il commence à te mettre l'argent. Il commence à te prendre coup à te tourner en ville à Paris. Oui, allons boire, allons au restaurant. Tu en parles, c'est ton capital de, que tu as ramené du pays. C'est ça que vous mangez à deux. Il commande le bon whisky parce qu'il veut que ton argent se termine vite pour que tu souffres. Pour qu'il te montre son vrai visage. Quand tu n'as plus rien, il te dit maintenant que vraiment, la femme s'y verra que tu partes de chez elle. Il commence à te jongler jusqu'à ce que tu te retrouves dehors. Les gens ne se retrouvent pas dehors parce qu'ils sont venus du pays avec rien. Non. Quelqu'un va venir te faire te trouver. Mieux tu restes avec les gens. Les débuts de Mbeng, non, maman. C'est facile. Donc, c'était juste pour dire que dans la vie, quand tu arrives en Bengue, tu as souffert, tu peux toujours recommencer. Je ne suis pas venu avec une cuillère en or et tout et tout. Et que ceux qui viennent en Europe, et si en Europe même les gens mettent leur propre soeur de sang dehors, oui, mais s'il y a la sorcellerie ici, hein. Parfois tu arrives ici, tu es chez ta soeur ou chez ton frère. Demain, hein, ta soeur change. Elle ne te parle plus. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Elle commence à te chercher des problèmes. Oui, pourquoi tu t'assois à côté de mon mari? C'est-à-dire que tu te retrouves en train d'être confiné dans une chambre. Que quand ta soeur au salon avec son mari, tu t'assois que dans la chambre. C'est quand elle sort que tu manges. Ta propre soeur même paie mes mères. Quand tu appelles ta mère au pays pour parler, comme ils sont les premiers benguistes là, ils connaissent souvent convaincre nos parents. Oui, depuis qu'elle arrive chez moi, elle dort seulement, elle ne fout rien, vraiment, maman, je regrette, vraiment, c'est elle qui va me tuer. Regarde comment elle s'habille pour passer devant mon mari. Quand je venais au pays, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Ma propre soeur me fait ça, elle m'a parlé de moi avec mon mari. Oh, elle fait ceci, hein, nanani, nanana. Elle appelle la mère, elle raconte des choses, alors qu'elle ment sur toi qui es chez elle. Elle veut seulement que tu partes de chez elle, mais elle cherche les problèmes. Il y a les familles qui sont divisées, qui ne se parlent pas, à cause de l'Europe que vous voyez là. Il y a les familles qui ne se disent pas bonjour. Depuis des années, qui se retrouvent seulement au deuil. Quand on dit que le papa est décédé, c'est où ils se retrouvent tous. D'autres, même quand on dit que le papa est décédé, ils ne viennent pas au deuil quand tu es là. Il attend, quand le deuil finit, vient son tour. Donc, c'est pour vous dire que, même si là, il faut avoir le cœur de supporter à supporter. Oui, il faut avoir le cœur que hein, ça peut arriver. On peut se retrouver dans les mauvaises situations à tout moment. Oui. C'est comme ça. Donc, nous ne souhaitons pas le malheur des gens. Moi, là où je suis là, il y a des personnes que, même s'il y a quoi, on ne peut jamais aller là-bas, dire que je suis venu dormir ici. Mais il y a aussi des personnes que, si j'aime, c'est les premiers que je vais aller là-bas toquer pour dire que je suis venu. Parce que ça arrive. C'est l'insupportable. Ici, là, c'est l'hypocrisie. Quand donc, c'est un truc que tu ne peux pas connaître. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas connaître. Il y a des sacrifices à faire dans ce pays que vous ne pouvez pas imaginer. Quand tu entends que, oui, quand tu entends que j'avais des rendez-vous pour passer les entretiens, mais je vais renvoyer ces rendez-vous-là. Donc, quand tu entends que, oui, comme tu vois, on a mis quelqu'un dehors. Il y a les gens qui achètent la maison en Bengue. Je dis que achat. Et ils se retrouvent dehors. Parce qu'acheter la maison en Bengue ne veut pas dire que ça t'appartient. Hein. Quand tu achètes la maison, tu es toujours locataire. Tu es ton propre bailleur. Quand tu ne payes plus ton crédit, la banque récupère. Donc, quand tu es en Bengue, quand tu dis que j'ai ma maison que j'ai achetée, il faut que ça soit que tu as déjà fait les 20 ans là, que tu avais déjà fini, que tu as payé. Parce qu'on ne paye pas la maison cash ici. C'est le crédit. Il faut que ça soit que tu ne peux pas acheter la maison, ça fait peut-être 2 ans ou 1 an, tu commences à dire que non. Quand tu dis que la maison, c'est pour toi, ça veut dire que tu as déjà payé tes 20 ans de crédit, là, fini. Sinon, nous tous, nous sommes les locataires en Bengue. Sauf les gens qui ont déjà payé leur crédit jusqu'à finir.
Parce que quand tu achètes même, si demain tu ne peux plus payer, on récupère. Les banques ne rigolent pas. On te récupère ça, hoha. Oh. Et tout. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Je voulais seulement vous rassurer et tout. Demain, on va faire le direct comme il se doit. Donc, quand tu vois les gens, parfois tu es même marié à un blanc. Le jour qu'il te met dehors. Parce que ne croyez pas qu'une femme qui est mariée à un blanc qui dit que voici ma maison. Ce n'est pas sa maison, hein. C'est la maison du blanc. S'ils n'ont pas acheté à deux. En ben, si tu trouves quelqu'un, un blanc qui a derrière sa maison, écoutez bien comment ça se passe. Quand tu trouves qu'il a derrière sa maison, si vous divorcez, on ne partage pas. C'est pour ça que vous voyez certaines de nos soeurs là. Elles sont mariées au blanc. Elles souffrent jusqu'à. Elles ne fuient pas parce qu'elles calculent l'héritage de la maison. Elles sont en train de calculer que quand le blanc va mourir, elles vont hériter de la maison. Vous comprenez un peu? Quand tu trouves le blanc qui a déjà sa maison, hein, qui a déjà acheté sa maison en bain, si vous divorcez, s'il veut, il te donne, s'il veut, il ne te donne pas, la maison, c'est sa maison. Il a acheté avant votre mariage. Ne crois pas que oui, si vous divorcez, il va vendre la maison et partager en deux. Non. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, on nous laisse l'ombrakata. Quand on nous laisse l'ombrakata, je dis qu'un, tu entends une fille qui dit, je suis mariée à un milliardaire blanc, nanani, nanana, il a beaucoup de maisons. Les maisons là, ce n'est pas pour elles. Oh. Parce que le jour de leur mariage, quand, même si c'est bien commun ou bien séparé, ça n'a rien à voir. C'est à partir du moment que vous êtes ensemble, c'est ça qu'on partage. Ce n'est pas le avant. On partage que à partir de là. Donc, certaines filles qui vont empoisonner leur blanc là, qui tue le blanc avec la nièce là, en croyant qu'il va mourir, ils vont partir. Deux fois, le blanc même, il donne son héritage même au sans-abri. Oui. Si vous avez les enfants, ça se comprend. Parce que ici, là, ce n'est pas comme au pays que ici, tu es obligé de donner quelque chose à ton enfant. Tu es obligé dans la loi, sauf si le père t'a déshérité. Sinon, dans la loi du blanc, tu es obligé de donner, de laisser quelque chose à ton enfant. Donc, il y a les mères qui profitent derrière leurs enfants. Oui, est-ce qu'elle va profiter derrière l'enfant qu'elle a eu avec le blanc? C'est comme ça. D'autres donnent même au chat. Tu entends que non, il a laissé l'héritage à son chat. Quand la gaffelle, il avait laissé l'héritage à son chat, non? Quand j'entends les gens qui disent que oui, on meurt ici, on meurt. Quand la gaffelle a laissé son héritage à son chat. Et c'est la personne qui est babysitter du chat là qui va profiter. Sinon, c'est le chat l'héritier. Est-ce que vous imaginez un peu? En Allemagne, on dit que le chien le plus grand milliardaire des animaux, c'est un chien qu'un Allemand multimilliardaire était décédé. Il a laissé l'héritage à son chien. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est un peu ça, quoi. En tout cas, je n'ai plus rien à dire. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse le divin, on fait. Si vous voulez que je coupe, je coupe. Sinon, franchement, je n'ai plus rien à dire et tout et tout. Donc, les gens qui se marient avec les blancs en calculant que le blanc, il est riche, hein, il a les maisons, il a le ceci. Si je suis sa femme, tu peux même être la femme de quelqu'un, il voit ton intention, hein. Le jour qu'il meurt, il laisse héritage, tu te retrouves en train de sombrer dans la drogue, dans l'alcool. Parce qu'il ne t'a rien laissé. Il a compris que tu n'es rien. Oui, c'est comme ça. Tu te retrouves. Quand les gens pleurent souvent sur Facebook, chacun pleure ses problèmes. Vous comprenez? Chacun s'assoit. Oh, quand j'étais. On dit que quand j'étais. Moi, je suis une ancienne riche. Voici ma botte. Voici ma botte. Ça s'appelle Voyage. J'ai acheté en 2006 à 700 euros. Elle coûtait 1800 euros. Voici ça. Je vais vous montrer. Une botte qui s'appelle, une marque qu'on appelle Voyage, une marque italienne. Elle coûtait 1800 euros. En 2006. Voici ça. En 2006, j'ai acheté cette botte à 700 euros. Voilà ça. 700 euros, j'ai acheté. Elle coûtait 1800. Et 700 euros, c'est dans les 500 000 francs CFA que j'ai acheté la chaussure-ci. Moi, je suis une ancienne riche. Je connais la valeur de l'argent maintenant. C'est mes dos, hein. J'étais...
quand j'étais vraiment, voici ma boîte, j'ai acheté en 2006. Ça s'appelle la marque Voyage. Pur cuir. Elle coûtait 1800. J'ai acheté à 700 pendant les soldes. Oui. C'est ça. Les gens sont là, au lieu de pleurer leurs problèmes, ils inventent aussi sur les gens. Ils inventent. Moi, vous allez beau m'insulter comme vous voulez. J'en ai rien à foutre avec vous. Ah, ça me fait quoi? Pardon, j'arrange bien. Mm-hmm. Quand on a trollé, quand on vit même avec un blanc, quoi, on ne se soucie pas en Europe. Il faut toujours mettre de côté. Il faut toujours penser à demain. Oui. C'est comme ça. Les gens qui s'inscrivent. Coucou, maman Vélé, rapide de Mokolo. Nan, piang, 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 piang. Ta fille est là, non? Si ça ne va pas, tu as deux villas aux États-Unis. Je viens habiter chez toi, non, ma mère. You are Yuri. Si ça ne va pas. Voilà ma soeur Yuri Gagami. Si ça ne va pas, j'appelle Yuri, c'est d'abord un milliardaire. Maman, il y a même les milliardaires qui ont payé, les milliardaires faux profits qui ont même payé les billets d'avion aux gens. Toujours derrière mon nom, hein. Aujourd'hui, tu entends quoi là? Comment les gens la font souvent? Masmol! Masmol! Vraiment? Mais voyons. Tout ça. Parce qu'il faut détester la mafo. Mais franchement, regardez comment je suis captivante. La Stamania, ce n'est pas le marabout. Regardez comment je suis captivante. Désormais, je fais comme le président Paul Biya, lui donne les mains. On a dit ici que Paul Biya est mort. Le président Paul Biya est mort. Le président Paul Biya est mort. Le voilà qui est bel et bien en vie. La gifle de ça. Il est bien vivant lui. Hein. Il n'est pas là pour... Parce que, hein, maman, Facebook là, même si c'est que, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Personne n'est éternel sur terre. Quand tu vois certains menteurs, certaines personnes qui ont le mandibule, sous c'est sûr, le président de la République du Cameroun n'est plus en vie. Hein? Je bois le vin pour ça. On a fait l'autopsie comme sur Ben Laden pour confirmer que c'est lui. Tu viens annoncer pour dire que sous ce sur l'autopsie a dit que c'est lui qui est mort. Arrêtez de mettre les choses dans la tête des Camerounais. Tout le monde sait que tout le monde va mourir. Vous comprenez, non? Tout le monde va mourir. Hmm? Jubilé de la mort de quelqu'un. Il y a aussi l'autre là qui a fait son faux buzz là. Billy, vraiment, t'as pas, hein? J'ai même eu très pitié. Ça m'a fait mal. J'ai même contacté Mathieu Mbarga, je crois, oui. Pour demander, il m'a appelé. Il m'a dit que c'est comment? Que Billy, quoi est passé? Il m'a dit qu'il est bien en vie là-bas. Il est chez... Et c'est le Mbanga n'est pas bon, hein? Il faut arrêter. On ne fait pas le buzz avec la mort. Toi, le gifleur, là où c'est le gifleur, Bill le gifleur, tu viens soulever le cœur des gens que non, tu es mort. Tu voulais voir quoi? Tu as vu même qui t'a même calculé, en dehors des nous si que tu insultes là, que nous on a même eu le. On t'a même calculé pour dire que ouais, non, ce n'est pas possible. Mais qui t'a qui t'a géré? Et peut-être ce n'est que ta famille, c'est pour ça qu'on dit que. Ce n'est que ta famille peut-être qui a pleuré. Tu as plus fait mal au cœur de ta famille, de tes amis proches et des personnes sensibles comme les Noussi. Sinon, si tu dis que tu es mort, je ne sais. Ton buzz même n'a même pas donné. Tu te lèves un matin, tu manques quoi dire. Tu dis que non, tu es mort. J'ai même vu une vidéo de lui, comment il pleure quand l'aide. Je ne comprends pas. Il faut souvent sécher le mbanga, hein, avant de fumer. Hein? Vraiment. J'ai vu le truc de l'enfant là. Hein? J'étais dépassée. J'ai dit que mais. J'étais inquiète. J'ai dit que mais mon cœur. Il y a une amie qui m'a appelée. Elle pleurait.
Elle pleurait. Ouais, Bill. Hey, Seigneur. Ouais, j'ai dit que, mais, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, hein, il s'est suicidé hier. J'ai dit que suicidé comment? Hein? J'ai dit que, mais il s'est suicidé comment? Ça veut dire que quoi? Oh, Bill. Non, ne fais plus de la qualité de buzz là. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mon frère. Même si tu as mis le truc en disant que c'est moi, je suis sûr que les gens qui sont sur Facebook depuis t'ont dit que non, ce n'est pas ma faute. Tu n'es pas obligé d'être violent verbalement dans les paroles. Hein? Tu vois, non? Tu n'es pas obligé. Tu vois, non, petit? Tu n'es pas obligé. Quand j'ai vu ta vidéo aussi, comment tu... Attendez, vous allez m'excuser. Mais c'est une vidéo de Bill où il demande au gouvernement de l'aider. Attends. Ah, attendez. Je suis entré dans l'histoire du Cameroun. Dans l'histoire du monde entier. Là. Mais je ne demande pas pardon à tout le Cameroun, à tous ceux qui ont cru que je suis. Oh, dis donc, c'est quoi? Je me demande pardon pour vos larmes. J'ai la mort au cœur. Ouais. Maintenant, je sais que vous m'aimez. Ok. Ok. Madame, je vais vous dire quelque chose. Dis-nous, le survivant. Mes frères Camerounais, je souffre. Hein? Je souffre énormément. Ouais, je souffre. Oui. Votre frère souffre. Oui. J'ai perdu mon boulot. Ah bon? J'ai perdu ma liberté. Donc, je ne suis pas seul à perdre la maison. Tout de ma vie. Ouais. Vous faites quoi pour moi? Pour m'encourager. Tous les jours, toutes les nuits, dans les messages. Je fais comment pour vivre? Va travailler. Personne ne parle de ça. Ouais, mais Billy, va au work, non? Ça. Tu as fait quoi pour le Cameroun jusqu'à ce que... De tout et de rien, de fou. De fou. Quand tu n'es pas fou. De quelqu'un qui n'est pas normal. De quelqu'un qui fait ceci. De quelqu'un qui fait cela. Oui, c'est bien vrai. C'est bien beau. Pour certaines personnes. Mais, sachez que je souffre. Je suis obligé aujourd'hui de vous dire la vérité. Dis-nous. J'ai abandonné, je suis seul dans mon combat. Ouais. Regardez-moi maintenant aujourd'hui en direct sur Facebook, dans tous les combats. J'ai quoi? Je suis qui? Oui, bref, bon, je suis Billy dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce Billy-là a encore une vie? C'est toi qui connais. Est-ce qu'il a de quoi manger? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce qu'il a cela? Mais je ne suis pas un pauvre garçon en énergie. Je suis fort spirituellement, moralement. Non, ça vire m'amuser. Je suis faible financièrement. J'ai perdu ma dignité. Donc, je le dis, je ne cache pas. Je vous le dis dans la réunion sociale. Celui qui veut me croire, qu'il me croit. Celui qui ne veut pas, son problème, partagez le direct. Est-ce que le volume est bon? C'est bon. Est-ce que le volume est bon du côté de Dakonolinga? C'est trop bon là-bas. Est-ce que le volume est bon du côté de Mbalmayo? C'est bon. C'est bon. Pour le ceci, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Oui. Son Excellence Bill Bondo Pia. Est-ce que le volume est bon chez vous? Il regarde. Merci. Que ça n'est pas là. C'est là. Oui. Je
Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas lancer de gauche ou à droite. Je suis celui qui a pris le courage de dire non. Oui. Au mépris, non. À la bassesse, non. À l'injure. Oh putain. Le Cameroun. Mon pays, le Cameroun reste mon pays. Ceux qui combattent pour le Cameroun, c'est les gens comme moi. Je connais qui je suis. Je connais qui je suis. Ce que je peux faire, si je peux faire. Ouais. Mais je suis un jeune Camerounais qui aime son pays. Oui. Monsieur le chef de l'État. Oui. Son excellent Bibo Dombia. On paye les gens pour supporter ça. Mais soutiens-moi. J'ai perdu même de ma dignité. Papa. Oui. Cher frère Camerounais, partagez le message. S'il vous plaît. Aidez-moi vivant. On doit le décorer. Donnez-moi l'opportunité de vivre vivant. Ne me donnez pas ça quand je serai déjà mort. Et que ça ne va servir à rien. Parce que tout ce qui est sur la terre ici, tout ce qui est sur la terre ici, c'est éphémère. Oui. Aujourd'hui, voici le coronavirus. Oui. Voici le coronavirus. Ça engloutit tout le monde. Oui. Tout le monde est dans la panique. Vous avez peur. Oui, on a peur. Vous avez bien peur de la maladie que le Dieu. Oui. Quand un jeune Camerounais comme moi, comme Billy, vous annonce sa mort, vous avez tremblé. Et qui a tremblé? Ne pensez pas à Dieu. Moi, j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Je ne suis pas matérialiste. Hey. J'aime. J'aime tout le monde et j'aime moi-même. Je m'aime. Ouais. Je ne vais jamais me suicider. Hey. Je ne vais jamais faire ceci. Mais s'il vous plaît, pour quelqu'un, lève le volume, s'il te plaît. Oh, voilà. Merci. Le confinement, c'est. Je suis de l'Est.
Maman Chantal Pia, écoute mon conseil, s'il te plaît. Ok. Même écoute-moi aussi. Pourquoi tu m'abandonnes? Hey. Pourquoi? Peuple camerounais, pourquoi vous m'abandonnez? Pourquoi? Hey. Est-ce que mon combat est faux? Est-ce que mon combat est faux? Est-ce que je ne suis pas vrai? Est-ce que je mens? Est-ce que je dis la vérité? Oh, pour me traiter de fou. Pour la mer, tu vois le fond sonore. Pourquoi vous me traitez de fou? Ouais, j'ai ce que. C'est que quand j'avais vu ça m'a trop fait la. C'est-à-dire que donc en fait quand j'ai vu ça, vous allez m'excuser, quand j'ai vu le gars